Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse graphique. Aujourd'hui, nous allons voir la paire GBP-CHF, donc la livre sterling contre le franc suisse. Et nous sommes le 20 septembre, vendredi, donc on arrive au week-end. Et hier, sur cette paire, eh bien, on a eu une grosse séance baissière, très très forte, avec une bougie quasiment marobozou. Alors après, ça s'est arrêté, mais pour le coup, on a eu une très très forte baisse. Et ça survient ici, après le contact d'un plus haut ici à 1,48. Alors c'est la première fois qu'on fait cette paire, je crois. On l'a pas trop traité parce que généralement les paires contre CHF, j'ai jamais eu grand chose à dire. Enfin, des fois il y a des belles configurations à trader, mais parfois c'est assez évasif, un peu spécial, et des fois il y a de la politique de la BNS est un peu particulière, donc j'évite d'y fréquenter. Alors des fois je vais sur l'USD CHF, mais pas trop les paires européenne contre le franc suisse, en général j'évite assez. Mais bon, là il y a quand même une configuration très intéressante à voir. Alors premièrement, qu'est-ce qu'on voit? C'est une configuration en range générale ici, comme ça, qui se situe entre 1,40 et 1,48. Et eh bien, on est allé toucher le dernier plus haut ici à 1,48 quasi exactement. Et on a eu une très très forte reprise baissière qui est venue casser le dernier plus bas situé à ce niveau-là autour de 1,46,1. Et sur ce breakout, eh bien, on est à mon avis parti pour un scénario de retour dans le range pour aller chercher eh bien, les 1,41 à peu près, qui me paraît être un niveau supportable. Alors, niveau intermédiaire ici, hein, autour de 1,42, vous voyez, hein, qui constitue pas mal de plus bas. Toutefois, le range, quand même, le bas du range se situe à 1,41, donc je serai baissier jusqu'à 1,41. Donc le scénario est très très simple, un scénario assez classique, où on a eh bien, une structure de range générale, c'est-à-dire le cours évolue de bas en haut et de haut en bas. Et eh bien, on a touché le haut, et puis on a eu un fort retournement baissier qui s'est marqué par une avalanche baissière en marobozou énorme, qui est venu casser le dernier plus bas. Donc sur cette logique là, et eh bien moi je pense qu'on est parti pour une reprise baissière au sein de ce canal, pas en dessous, parce que c'est la logique du canal, c'est de rester dedans, pour aller eh bien autour de 1,41 comme je citais. Alors si on regarde sur plus long terme, ici on a une tendance assez chaotique, alors une tendance de fond de très long terme qui est baissière, comme pas mal de paires contre le franc suisse. Toutefois, sur une période de plus récente, et eh bien on est quand même dans une dynamique de range générale, hein, ici, et d'incertitude, puisque après cette forte tendance baissière longue et durable, et eh bien maintenant on est dans une tendance d'hésitation. Et donc je pense que on peut pas déceler, on peut pas dire finalement il y a une tendance baissière ou il y a une tendance haussière, donc ça va dans un sens, ça va dans l'autre. Donc à mon avis, on est bien parti pour une analyse en range, pour un scénario en range, me paraît tout à fait viable, dans la mesure où là, je vois pas les cours partir en breakout dans les conditions actuelles, étant donné la réaction sous le plus haut, quoi. C'est-à-dire que là, on a eu vraiment, on a un plus haut qui est très très marqué, qui est très isolé, disons. Et eh bien, on arrive sur ce dernier plus haut. On voit en plus qu'il y a eu vraiment, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est qu'en plus il y a eu pas mal de tentations. Il y a eu des tentations sur ce niveau de passer au-dessus, mais après pas mal d'hésitations, eh bien, le coup tombe et c'est une grosse baisse derrière ça, derrière le manque de capacité des haussiers à passer au-dessus du dernier plus haut. Eh bien, c'est par défaut les baissiers qui le prennent. Et là, eh bien, on passe sous le dernier plus bas. Et là, on passe sur une logique, à mon avis, de breakout au sein du range pour aller chercher le dernier plus bas du range. Enfin, le plus bas du range. Donc, moi, je conseillerais de trader entre 1,42 et 1,41, ce qui me semble la zone, hein, que j'ai évoquée ici. Toute cette zone ici, dans lesquelles les plus bas, le cours peut aller, devrait aller à mon sens. Alors ça peut rebondir dans cette zone, donc il faut faire attention. Jusqu'avant cette zone, à mon avis, on est baissier très clairement, et à ce niveau-là, eh bien, on peut commencer à être prudent. Mais à mon avis, donc 1,41 ici, ça me paraît être un bon niveau de support pour aller chercher un trade baissier sur le GBP-CHF. Donc voilà, baissier sur le GBP-CHF. En termes de stop, je donnerai 1,48,1, un petit peu au-dessus du range, au cas où il y ait des reprises haussières. Et en termes d'objectif, eh bien, je donnerai 1,41. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.